Bonjour les addicts, j'espère que vous allez bien. Donc je vois que messieurs, là ça se voit que je suis fatiguée, mais bon, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de l'œuf de Pâques de Glossy Box en édition limitée qui est au prix de 35 euros, je crois. Donc voilà, me revoilà. Donc l'œuf il est comme ça, je l'ai vidé. Je vais vous ouvrir pour vous faire voir comment il était. Donc on ouvre tout simplement à l'intérieur les produits. Donc nickel, les couleurs sont pastel, sont sympas. C'est très joli, donc il peut servir pour déco et tout, pour ranger des affaires dedans. On trouvera toujours une utilité. Donc je vais le poser là. On va pas spoiler. Donc j'ai le papier, hop là, non, ça glisse. Voilà, Easter Egg avec le QR code. Donc, je prends pas le QR code, hein, je suis directement sur le site hein, de Glossy, hein, comme ça c'est plus simple. Donc, le premier produit, donc c'est déjà un produit que je n'utiliserai pas, mais bon, quand on fait ce que j'utiliserai, ce que je veux, ce que je voulais pas, c'était quand même pas mal. C'est de la marque Banana Beauty, c'est un mascara No Limits. Donc, Extra Length Mascara, excusez-moi. En full size, d'une valeur de 27,99 €. Donc, on va voir comment il est. Bon, je ne vais pas l'ouvrir puisque je ne vais pas le faire l'assécher hein, puisque je vais le donner ou le mettre en concours ou je ne sais pas quoi. Donc, il est tout noir, comme vous voyez. Bon, sympa, sobre, pas mal. Après, la brosse, je ne peux pas vous dire. J'essaierai de vous mettre une incrustation s'il y a une image avec, avec la brosse, comme ça, vous verrez. Donc, déjà, pour le premier produit, bon, on va le mettre ici. Hop. Deuxième produit, donc c'est un shampoing apaisant de la marque Wild Science. Donc je connais la marque, je ne connais pas le produit, en format full size, d'une valeur de 6,90 €. Full size, il est petit quand même pour un shampoing 40 ml. Ouais, enfin bon, un shampoing en principe c'est quand même plus grand. Ça sent très bon. Et il est au CBD. Scalp, relief, shampoo. Donc apaisant, forcément le CBD, hein, ça apaise. Bon, sympa pour découvrir le produit, puisque comme je vous dis, je ne connais pas du tout ce shampoing. Produit suivant, bon alors là, il y en a qui ne vont pas aimer, hein, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. C'est un spray à une brume d'oreiller This Works, donc en format voyage, une valeur de 6,70 €. C'est Deep Sleep Pillow Spray, 5 ml. Moi, je l'ai eu en petit, je sais plus dans quelle box, hein, il y a longtemps. Je l'ai eu après en full size dans une autre box ou dans un calendrier de l'Avent, je sais plus. Et je l'utilise très régulièrement. D'ailleurs, j'arrive à la fin. Et bah, celui-là, bah, il va aller à côté de mon lit pour être utilisé dans la foulée quand l'autre sera fini. Après, nous avons un crayon à lèvres. Cap Cosmetics. En format full size d'une valeur de 11,20 €, teinte aléatoire, donc ça veut dire que tout le monde n'a pas la même teinte. Donc moi j'ai une teinte, je ne sais pas si vous verrez comme ça, c'est nude, c'est la teinte, c'est sur du gris, écrit blanc sur du gris ou clair, enfin c'est pas évident de déchiffrer. Bon, je vais essayer de le déchiffrer et puis je vous le mettrai en barre. En incrustation, comme ça vous verrez, comme pour le Banana Beauty, hein, la brosse, si j'arrive à la choper, je vous la mettrai en photo. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pas grave, si je vous l'ai dit, je vous le redis. Après, nous avons de la marque Bouclem. C'est rare quand on a cette marque, mais j'aime bien. Produit pour cheveux, hein, c'est un masque capillaire hydratation intense Bouclem en format voyage d'une valeur de 6,50 €. Format 30 ml je crois, donc c'est pour redéfinir les boucles, hein. Ouais, curls redefined, donc c'est ça, donc c'est cool puisque moi j'ai les cheveux bouclés hein, comme vous pouvez le savoir. Ça sent très bon, donc contente d'avoir ce produit. Bon, ça fait quand même deux produits cheveux. On va voir après ce qu'il y a. Après, nous avons un gommage visage de la marque Huygens. Voilà, c'est celui-ci.
En format voyage, donc d'une valeur de 9 euros, et c'est le gommage voyage. Oui, bon, ça a juste ce nom. Donc, dans un petit pot, oh là là, il a mangé. Il y en a partout. Alors, il fait rempli à moitié. Il y en a là. Bon, il n'est pas rempli à donf, hein, ça c'est sûr. Les grains sont. Ouais, il y a des petits grains, c'est. Ouais, c'est pas désagréable. Pas désagréable du tout. Bah, si vous verrez les grains. Là, regardez. Voilà. Donc voilà. Bon, il n'est pas super méga rempli, hein. Je suis un peu déçue quand même pour ce produit-là, mais bon. Après, nous avons un soin visage mat contrôle de Bioderma en format voyage, une valeur de 6,45 euros. Et le format, il est de 15 ml. Donc, soin hydratant anti-brillance. Bon, à découvrir parce que moi qui ai la peau mixte à tendance grasse, ça peut voir si ça fait l'effet. Puis je pourrais le racheter après en full size. Par contre, c'est pareil, hein, c'est encore un format voyage, c'est que des petits formats. Hein. Bon, il est operculé, je peux pas voir. C'est dommage qu'il y ait quand même pas mal de petits formats, mais bon, après. Voilà. Suivant, donc c'est un lait nettoyant Milk Melt. Donc ça, c'est un gros format de la marque Baby. Donc on avait eu deux produits de cette marque. Alors, il y en a un, je ne sais plus ce que c'est. Il y en a un autre, c'est un nettoyant visage, un petit nettoyant visage. Il est pas mal, je suis en train de l'utiliser actuellement. Bon, c'est un petit format, hein, mais je l'ai ressorti de mon backup pour l'utiliser actuellement. Et j'aime bien. Donc là, c'est en format full size, hein, on voit bien. 23 euros et c'est 150 ml, hein, quand même. Hein, donc c'est bien. Moi, un beau full size. Et il est tout rose, voilà comment il est. Il doit être operculé, je suppose. Ah, même pas, pas operculé. Bon, ils sont pas mauvais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas marqué. Alors, c'est certifié 100% vegan. Donc, produits naturels pour le visage. Cruelty free. Après, il y a. C'est au nettoyant au lait d'avoine vegan. Voilà. Là, il y a des probiotiques. Donc, il nettoie, nourrit et smooth la peau. Donc, il y a des probiotiques vegan, coconut yogurt, balance skin, helping to smooth redness and leave the complexion supple and restored. Ouais, bon, on verra ce que ça fera, hein. Voilà. En tout cas, contente d'avoir un full size de cette marque et puis un nouveau produit surtout que je ne connaissais pas, donc c'est cool. C'est super. En tout cas, c'est aussi pour celui-là que je l'avais pris et puis pour Bouclem. Mais bon. Après, excusez-moi. Nous avons un vernis à ongles de la marque NCLA en teinte Fresh Linen. Format full size d'une valeur de 14,90 €. Donc là, je ne sais pas si vous verrez la teinte. Donc ce blanc. Il est 100% vegan cruelty free. Et il fait. Bon, il doit faire 10, 11, 8, enfin 8 ou 10 ml. Voilà. Donc c'est pas mal. En plus, à blanc, moi, c'est nickel. Ça me va. Et le dernier produit, donc c'est un duo blush, un blush duo pixie en teinte peach honey. Donc là, il est emballé comme ça, en format voyage, d'une valeur de 8 euros. Alors, je ne sais pas si c'est le même qu'on avait déjà eu dans une glossy, dans une blissime, je crois. Voilà comment il est. Hop. Ouais, avec Petra, c'était comme ça qu'on l'avait eu. Hop, là, je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Donc. Peach Oni. Je sais pas si c'est celui-là que j'ai. Bon, en tout cas, pas mal. Pixie, on en a de plus en plus hein, dans les box. Donc voilà la récolte du jour. Hein. Hop. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Quel produit vous intéresse le plus?
Après, c'est vrai que dans les éditions limitées, c'est compliqué parce que bah, souvent il y a des produits qui nous intéressent, mais pas tous, hein, parce que voilà, en fonction de chacun. Mais pour moi, ça va être plutôt rentable quand même, hein, puisque j'ai ça. Ouais, à part le Banana Beauty que j'utiliserai pas. Celui-là, peut-être pas si je l'ai déjà, mais moi en même temps, je peux l'avoir en backup. Franchement, pour moi, j'utiliserai presque tout, donc c'est un bon investissement. Après, hein, c'est pour le fun aussi, hein, c'est une édition limitée, ça se trouve, on va avoir ces produits dans les futures box ou dans d'autres box, on verra bien. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me dire le produit que vous préférez, si vous avez pris vous aussi cette box. À liker, vous abonner, activer la cloche et puis voilà. Donc on se retrouve très vite pour la blissime, puisque j'ai reçu la blissime là, je viens d'aller la chercher dans la boîte aux lettres. Et puis voilà. Et puis oui, il y a le concours de mars, je vais faire le tirage au sort dans la semaine parce que là je suis claquée, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas beaucoup de temps. Puis en plus de ça, ce week-end, j'ai mon bébé qui rentre, donc contente, j'ai pas vu depuis décembre, donc j'ai profité de mon bébé avant, et puis voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous, à plus!